je suis dans ma bulle. Et tu es dans ta bulle. À quoi ça nous a servi d'abattre les murs? De s'ouvrir aux yeux qui ne peuvent s'ouvrir. Parce que chacun ne perçoit que ce qu'il a envie de percevoir. Des images. Des mirages. Tiens, tu me vois. Tu crois me voir. Mais tu ne m'as jamais vu. Et tu ne risques pas de me voir. Car on ne peut pas se voir. Sans être déçu. Sans se décevoir. Notre ouverture. Notre ouverture n'est qu'une couverture. Une fenêtre entrouverte qui laisse juste passer la nuit. Et une porte qui s'ouvre sur un temps qui s'enfuit. Un blog. Des blogs. Son blog. Mon blog. Ton blog. Avec un arrière-goût de drogue. C'est tout ce que nous avons trouvé pour échouer chacun de son côté. De s'écraser sous le poids d'une vérité que chacun croit posséder. C'est la bulle qui gonfle, qui nous gonfle avant de nous éclater à la figure. C'est chaplinesque, l'art de se casser la gueule en beauté et en vérité. Internet, c'est la fin du monde. Le verdict est le même pour tous. On ne peut rien faire d'autre que tourner en rond aux portes de nous-mêmes. Donc, éclipse des uns, apocalypse des autres. Chacun délire pour soi, comme s'il était seul au monde. Des Robinson. Voilà ce que nous sommes devenus. Des Robinson. Les réseaux sociaux. Ils ne sont là que pour faire avaler la couleuvre de ceux qui nous manœuvrent. Pour célébrer les unions et les désunions des âmes sensibles ou solitaires. Et pour elles, pas d'autre échéance que la déchéance réelle. Chacun y va de son solo, en faisant croire à un concerto. La disharmonie est préétablie pour tous. Matérialisé et miniaturisé dans un univers où personne ne meurt, personne ne vit. C'est chaplinesque.